Oui, je m'appelle Marc Truffelet. J'ai une formation de peintre en bâtiment. Parce que je pensais que ça pouvait m'aider dans ma recherche de travail pour avoir une formation en plus, quoi. J'ai une connaissance qui avait déjà participé à la formation, donc ça m'a permis de y participer aussi, quoi. Mais le module que j'ai suivi, c'est le module 1, 2 et 3. Oui, je m'appelle Marc Truffelet. J'ai une formation de peintre en bâtiment. Mais ça m'a permis d'être plus à l'aise au niveau Word et Excel et tout ce qui concerne l'informatique en général. Faire des copier-coller ou placer des choses dans des dossiers, etc. Mais le point fort, je trouve, c'est ouvert à tout le monde. Ça permet même aux néophytes de participer à la formation. On part vraiment sur des bases et c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut participer sans problème. C'est ça, les points forts. Mais les points faibles, ça, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il y a comme point faible. C'est vraiment une chouette formation. Donc, les points faibles, j'y réfléchis, mais je ne peux pas vraiment dire qu'est-ce qu'il y a comme point faible. Non, c'est complet, c'est original, c'est bien fait, c'est bien pensé, quoi. PMTIC, c'est vraiment bien pour tout le monde. Non, la durée est très bien. C'est vraiment complet. Je ne sais pas ce qu'on pourrait rajouter, mais je pense que ça a été bien étudié et c'est bien fait. Mais de manière globale, être plus à l'aise, je le dis encore, au niveau Excel et Word. Et je viens de terminer la formation, donc je ne peux pas encore dire si ça va m'apporter des choses, mais je pense que oui, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et normalement, c'est très complet, c'est très bien comme formation. Oui. Oui, bien sûr, au niveau Internet, au niveau, par exemple, ça m'a permis de faire un CV pour une demande d'emploi. Maintenant, je suis plus à l'aise, je peux inscrire ce que je veux, faire des recherches. Non, c'est très complet, c'est très bien. Oui.